Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Jacqueline. Ah, Jacqueline, comment vous allez? Vous avez un témoignage ce matin? Oui. S'il te plaît, tu as une caméra. Ruth. Vous tenez compte de la caméra. Je vous attends à la bouche. Prenez le micro. Vous voulez parler de qui? Je suis venue témoigner. Ma petite fille, Ruth. I'm here for my granddaughter. Non, l'autre n'est pas connu. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel. S'il vous plaît. I give the glory to the Lord. D'avoir délivré ma petite fille Ruth ce matin. My granddaughter. La voilà ici. Here she is. La voilà ici. Ça va? Vous avez la délivrance? Elle s'appelle oui, oui. Elle s'appelle Loa. Her name is Loa. Mon nom. Mon nom. Adoration. Adoration. Elle a 11 ans. She's 11 years old. Moi, je suis la grande sœur à son papa. The grand, the elder sister of his father. Elle était sorcière. She was a witch. Et elle-même a accepté qu'on vienne qu'elle soit délivrée. Donc, je remercie l'Éternel qui vraiment qui a délivré aujourd'hui ma petite fille. Vraiment, les mots me manquent. Parce que je suis très heureux aujourd'hui. Que je la vois délivrée. Parce que garder la vie d'un enfant, les parents deviennent. Les parents ont tous les problèmes. Parce que même tu as peur de ton propre enfant que tu l'as fait. Mon petit frère avait peur de sa fille. Even my junior, et il m'a appelé, il dit grand soeur, actuellement où je me trouve. Si lui t'es sauvé aujourd'hui, c'est pas toi. Today, mais il faut l'apprendre, tu vas l'envoyer chez le prophète de la sauve. Tu peux même l'accepter de se faire délivrer. Je pense que tu vas ma grande soeur. Et ma petite fille qui est là, my granddaughter here, elle m'avait déjà donné à la sorcellerie. She helped pour me tuer le 4, le 2 décembre. To make him, moi, elle s'en va. The 2nd December. Aujourd'hui, je rends grâce à l'Éternel. And I give the grace to the Lord. Moi, je sais que je suis sauvé. And I know par mon sauveur, Jésus de Nazareth. J'ai béni Dieu ce matin. J'ai dit merci à Papa Tasso. Merci beaucoup. Prophets. Merci beaucoup. Quelle est ton témoignage? Mon témoignage, c'est que ma petite fille est délivrée. Elle 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 est le jour que le tonton là est là me délivrer. The day ma grand-mère son d'abord quoi pour délivrer que le tonton se délivre. So that's the past to get delivered. Il y a deux personnes. Trois personnes. Three persons. Et tu es ma maman. My mother. Et tu es ma grand-mère. My grandma. Et puis mon grand-frère. And my grand. Et puis j'ai gardé la vie de ma grand-sœur. Et puis j'ai gardé la vie de mon papa. So that you cannot get married. So that you cannot get married. So my father called my grandfather one day so I would be called in the prophets. I give the glory to the Lord because I've been delivered. I'm proud of you. Ça va? Tu n'as plus sorcier. Tu mangeais l'homme avant. Oui. L'homme est doux. Non. Et puis tu manges. L'homme est doux ou pas? You like me with flesh? No. Qu'est-ce que tu as mangé? Le Seigneur t'a délivré. You've been delivered by the Lord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can we thank the Lord? Tu as quelle classe? Très bien. In primary school. Prenez soin d'elle. Take care of her. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Are you really happy to see you? The Lord is right here. We will see now. Notre témoignage. Notre témoignage. Non, donne à quelqu'un qui sait parler. Vous n'avez pas de voix, vous ne pouvez pas parler. Non. Donnez le micro, elle parle, d'abord. Elle va parler, et puis toi, tu as parlé en français, c'est ça, non? Oui. Mais, Jésus-Christ, mais. Bien, remercie. C'est Bété la même, allez? Oui, c'est Bété de Bayou.
Et Dieu salue le Seigneur Jésus. Le petit là, the boy here, c'est le, mon petit-fils. Is my grandson. C'est moi qui l'a, qui le porte, qui le supporte. Yes, vie et moi. The one et son, sa maman est dans un village voisin. His mother is L'enfant il se transforme, il est son sorcier, il ne savait pas. Et puis un jour, on l'a envoyé. Il faut l'envoyer à la prière. L'enfant il a gâté le sorcier. Elle a pleuré, c'est pas ce qu'il fallait faire. Dieu, Jésus, je suis à l'église catholique. Et puis l'enfant il l'envoie à l'église. To his church. Le prêtre m'a demandé de prier. Je vais prier pour toi. La nuit, l'enfant est parti la prier. Il a fui. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Il n'est pas là, le bois, il est caché quelque part. J'ai appelé son papa. Son papa n'a qu'à le chercher. Son papa l'a cherché à l'Ouganda. Il n'a pas vu l'enfant. J'ai compris que l'enfant, c'est quelqu'un qui a donné la sorcellerie. C'est parce qu'il a mangé la sorcellerie. Son papa a pris une machette. Et l'enfant qui l'a initié, le papa a pris la main et macheté la personne qui a initié l'enfant. Donc la maman est inquiète. C'est-à-dire que l'enfant, la personne qui a donné la sorcellerie à l'enfant, le propre père de l'enfant allait prendre machette pour aller macheter la personne. Donc la maman commençait à inquiète pour dire, mais attends, c'est pas qu'on soit avec le problème. C'est dans ça qu'elle était. Je cherchais une personne pour elle dit, la Bidjan, il est parti en France. Bon, c'est la femme qui a, il y a la soeur, c'est toi qui as parlé. La femme est tous les sorciers. Est-ce que tu peux l'envoyer à Divo? Elle dit oui. Faut tout faire pour l'envoyer à Divo. C'est le gars Divo Yine. Elle goumaka. Elle y a eu un peu à me faire une amie. Elle a eu des tracés. 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 Elle dit, elle n'a pas dit à l'enfant. Elle veut le surprendre. Matin, on le prend pour l'envoyer. Elle le met dans le cas. Elle s'est dit, il est sorcier. Elle va fuir. L'enfant, l'argent qu'on doit prendre pour faire le transport, ils ont volé ça, ils ont volé son papa. Ah, son papa qui allait voler. Son papa allait voler. Ils l'ont menotté, ils l'ont envoyé à Gagnoua. Où va arriver l'argent? Ouais, elle va prendre 10 000 francs. Elle m'a envoyé encore 10 000, ça fait 20 000. Elle n'a pas vu le papa. L'enfant sortait avec l'intéressé. C'est elle qui s'est levée maintenant à envoyer des gens pour aller chercher l'enfant. Comme ça, ils sont venus ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et l'enfant, je suis venu ici. C'est grâce à aussi la sœur. Tu étais debout. Celle qui m'a soutenu tout le temps que j'étais ici. Je n'avais pas les moyens, mais elle m'a aidé. Voilà, donc elle remercie le Seigneur, merci au prophète, mais c'est à cause de, du Seigneur que j'ai été délivré. Because of the Lord, the son has been delivered. Ça vaut pas mignon. May God bless you. Bon, il y a des petites paroles, je ne peux pas cohabiter. Ça va? Nato? Nato? Il t'appelle Yannou? Tu avais quoi avant? J'avais la
sorcellerie. Tu avais la sorcellerie. Qui t'a donné ça? C'est mon grand-père. Mmh. Et puis, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a donné le riz, puis il a mis quelque chose de noir dedans. Mmh. Et puis, il dit de manger. Puis, et puis, il a mangé, puis il est venu me chercher la nuit. Mmh. Puis, il est parti faire la sorcellerie. Il a tué quelqu'un, il dit de manger. Puis, il a mangé, de donner quelqu'un. Puis, il a donné mon nom, ils l'ont mangé. Comment s'appelle ton nom? Il s'appelle Gérard. Vous avez donné Gérard et puis l'ont mangé. Mmh. Mmh. Et puis, t'as faim. Mmh. Puis, tu as gâté. On n'a pas gâté, pardon. Mais tu as tué l'homme. Mmh. Tu as donné, non? Mmh. Mais donner, c'est tuer. Et quand tu es venu ici, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il demande merci à Dieu qu'il m'a délivré. Alléluia. Ce n'est pas acclamer le Seigneur. Il dit merci à Dieu. Tu as quel âge? J'ai 9 ans. On dit Takoué sur moi. On dit tout. On dit tout. C'est qu'à Takoué, John, c'est qu'à John. On dit tout. J'ai flaqué, mais son grève foutu. Il fréquente? On met un on a eu pour un soukoubi. Son âge, il va, le retour c'est dangereux. Parce que même s'il est délivré, il faut qu'il parte à l'école. Parce que il faut qu'un enfant comme ça parte à l'école. On va le prendre. Tout à l'heure, on va parler ensemble. Ça n'est pas dit crasse-toi l'argent. J'ai pitié de toi. Et puis c'est son avenir qui m'intéresse. Il faut qu'il devienne quelqu'un demain. Hein? Okay. Il faut qu'il devienne quelqu'un demain. Il faut qu'on l'aide. S'il est délivré, qu'est-ce qu'il devient demain? Ça nous intéresse. Merci, ça va, petit? Ok, donc tout à l'heure, on va se voir au bureau. On va l'envoyer à la fondation. On va l'aider. On va le mettre à l'école ici. Faut voir son jugement. On va trouver une école. On va le mettre à l'école. Hmm? Parce qu'il faut qu'il parte à l'école. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. 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 Je veux dire merci à l'Éternel des armées. Parce que grâce à lui, ma nièce a été délivrée de la sorcellerie. Cette affaire de sorcellerie de ma nièce a commencé depuis 2 ans. Et depuis lors, on n'avait pas vraiment trouvé des solutions. Parce que quand ça a commencé, on avait négligé le problème. S'il vous plaît, moins de bruit. On avait négligé le problème. On pensait que c'était une vision de la petite fille qui n'est pas partie à l'école. Donc on banalisait l'affaire. Quelle vision? Expliquez. Bon, souvent quand elle est là, elle dit qu'elle parle à des gens. Ah. Elle parle à des gens, elle voit des gens qui sont autour, qui la poussent à faire du mal. Donc nous on a négligé, on dit oh, c'est là, c'est parce qu'elle veut faire, elle veut être paresseuse, elle ne veut pas étudier. Donc, c'est cette année, véritablement, quand elle était à l'école, elle a une maîtresse qui prie avant de commencer les cours. Et chaque fois que la maîtresse prie, la petite fille tombe. Chaque fois que la maîtresse prie, la petite fille tombe. Anytime that she does, she did it. Il arrive un moment. Je suis triste quand la classe. Oui, quand elle prie, when she prays, when her teacher prays, et il arrive un moment où sa maîtresse, elle va se plaindre chez le fondateur de l'école, parce qu'elle a une école privée. Et ils étaient obligés de renvoyer la petite fille dans le lieu scolaire. Et ça nous a obligé de dire attention, on dirait que le problème de la petite fille là devient sérieux. Et c'est comme ça, son papa, il ne partait pas trop à l'église. C'est juste, j'ai toujours remarqué, c'est mon petit frère, c'est quand c'est dimanche, c'est à ce moment-là qu'il lave les habits.
Elle m'a dit, prends la suite, moi je me lavais les habits. Je me suis toujours plaint. Ah, ma laisse, tu ne pas la l'église. On fait tout, mais Dieu d'abord. Il dit, on laisse la paix à l'église. Et il était obligé maintenant, quand il voyait que sa fille était en danger, il a commencé à prendre la paix de Dieu aussi. Et c'est comme ça, il est parti dans une église et on lui a fait savoir que la petite était une sorcière. Et quand ça a commencé, on a essayé de négocier avec l'école. Moi, j'étais à l'intérieur, j'étais à Kilo, et j'étais à Abidjan. On a commencé à négocier à l'école pour que la petite fille, puisque c'est au bon Dieu de l'année scolaire, la petite fille, on a négocié et la petite fille a fini l'année scolaire. Elle est partie en classe supérieure. Et le problème, normalement, on avait voulu l'emmener dans un camp de prière. Mais mon papa dit non, comme mon papa, lui, n'est pas chrétien. C'est un gars qui adore les trucs de bailler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent bailler, ceux qui font. Voilà. Il a dit non, que lui, peut faire, il peut régler le problème de la petite fille. Et moi, je ne suis pas d'accord. J'ai envoyé la petite fille. Et quand la petite fille est venue, elle a attaqué mon papa. Elle attaquait, elle voulait le tuer. She attacked my father. Si ce n'est pas Dieu, même peut-être il était mort. He could have done elle a attaqué. Et le monsieur s'est débattu et c'est son orteil là qui s'est coupé carrément. Then he still was cut. Bon, lui s'est dit que peut-être c'est un accident. Ça a éveillé ma conscience. J'ai dit, ah, Yasmine, qu'est-ce que tu as fait à ton grand-père? I asked her, what did you do to your il dit, mais celle-là peut me faire parler. Dit, non, laisse-la vous parler. Parce que j'ai dit, on a bien dit que la petite fille est sorcière, amenons-la à l'église, elle a dit non, tu vas l'envoyer ici pour la délivrer toi-même. Parce que toi, tu es un Dieu de bailler. Il a dit, bon d'accord, laisse-la parler. Bailler la main, c'est quoi? C'est une prière où les gens de la potage, je pense qu'il y a. C'est une prière, il y a un monsieur, maintenant il a rendu l'âme, ils font des prières, ils font des incantations, et puis ils disent que si j'ai fait du mal à mon prochain, que la terre, toi, de qui je suis venu. Parce que souvent les gens m'insultaient pour ça. Because people are sure for that. Donc, la petite fille, je l'ai interrogée, elle a dit oui, que c'est moi qui ai fait du mal. Je voulais essayer mon grand-père. Parce que depuis que j'étais à Abidjan, on me parlait de lui. Donc, je voulais voir s'il était plus puissant que moi, ou bien c'est moi qui étais plus puissant que lui. Il est là, il était étonné. Il est venu glacer, lui qui était chaud au début. Il est venu glacer un coup. Il a dit, mais, le vieux, tu as compris? Non, je ne parle que c'est Dieu seul, Jésus seul qui peut nous sauver. On l'a fait de bailler. La conscience, il y va. La conscience, il y va. Mon la conscience, il y va. La conscience, il y va.
m'a embêté, c'est les petits chiens. Mais vous êtes en train de vous bénir. Les petits chiens, ce sont les Ziriwa. Ziri, Ziri, c'est petit, ce qu'on appelle Jéli. Ziriwa, ceux qui adorent, ceux qui sont des petits chiens. Those who are fetishists. Il a voulu essayer. He wanted to try, ça n'a pas marché. But it didn't. La seule solution, c'est tout le monde. Toi, tu ne peux Jesus. Pas bailler, puis délivrer ça. Bailler, but that deliver, so. Ziriwa, ouo, Ziriwa, ouo. Hey, Ziriwa, ouo. Ça l'a rendu glacé quand il s'est rendu compte qu'il était blessé. Et après ça, pourquoi le pied n'est pas cassé? Et après ça, il a fait jurer la petite. Il a mal soigné que la petite fille a bien vin. Il a dit à la petite fille, tu peux vous jurer qu'à partir d'aujourd'hui, si je pratique la sorcellerie, toi la terre, il faut me gorger. Puis il a fait jurer la petite fille, il a dit à la fille qu'il s'est fait gorger par le doigt. Et la petite fille, elle a commencé à pleurer parce que pour elle, elle devait mourir, puisque son grand-père lui faisait jurer contre son gré. Il a fait jurer la petite fille, mais c'est mal honnête la confrérie. Mais il a fait jurer la petite fille, deux jours après, il ne pouvait plus dormir au campement. Il dormait plus. Il dormait plus. Later, he couldn't sleep in his house. Every night, someone was knocking on his door. C'est la panique. Donc c'est comme ça. Il m'a appelé. Il dit bon, viens ici. Où est ton petit frère? Il dit mon petit frère, la Seigneur est en train de mal venir. Il dit bon, prenez votre fille, je ne veux plus la voir devant moi. Il a commencé à chercher. Il a commencé à me menacer. Jusqu'à lui et moi, on a eu à s'échanger. Il m'a dit bon, si tu ne veux pas prendre la petite fille, moi je te chasse de tout le monde de ma vie. Il a commencé à me menacer. Moi aussi, je me suis laissé emporter et après je suis venu lui demander pardon. Il dit bon. Après ça, comme il me menaçait à chaque fois, venez prendre la petite fille, venez, je vous ai mis à l'école, je n'ai pas dit de faire enfant, rentrer, sortir ici, et tout ça. Et c'est comme ça. Dans le micro, la petite. Tu as fait quoi au Dieu, et puis il est venu. What did he do to the elder man? Il était en train de chasser un poulet, parce que ses amis sont venus. Because il a tué le poulet de ses amis.
Donc, il était en train de pousser ce poulet, il a poussé en sorcellerie, il est tombé son pied à casser. Son pied a cassé sa tête là par terre, poignée. Mais par la grâce de Dieu, il n'est pas mort. Il est mort. Il a poussé comment? Hors de dépôt. Ici ou à derrière. Comme ça. Hein? Elle a attrapé le gars, elle dit, tu vois, tu ne crois pas à la sorcellerie. Tiens. Because he didn't trust. Son heure, ton hôtel est cassé. And his door was broken. Et puis il est venu te voir pour dire, c'est toi. And he came to see comment il a su? To see you. How did he realize that it was you? He didn't know. Maintenant après tu as vu quoi? Qui n'est pas fort? Did you realize that too? It was not fort. Quelqu'un m'a fait jouer là. When he made me swear. C'était la personne qui m'a initié. C'était lui qui était en moi. Et puis la personne faisait semblant de pleurer que c'était moi. Behaving like I was crying. Il voulait pas sortir de mon corps. Il voulait me faire jouer. Mais la personne dit de sortir. Il a fait jouer la personne. C'est le témoignage. Le témoignage. Hein? T'as pris un faux. Non, ma petite fille, elle va te rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Hein? Et qu'est-ce qui est devenu Pépé? Non. Il vient pas chez nous, bien. Le souffle est tombé malade parce qu'après sa plaie, il ne partait plus au champ, toutes ses activités arrêtées. Il était tout le temps dans la maison. Même quand on quittait la veille, il était dans la maison. Le prophète veut te rendre visite. Tu lui diras ça. Bonsoir de la part du prophète. Que le prophète veut lui rendre visite. Il était où ça? À Kiglo. Hein? Quel village dit Kiglo? Non, nous, on n'est pas dans un village. Oui, un campement. On est dans un campement. C'est vers où? C'est vers V16. Quand tu arrives à Guiglo, devant, il y a une pharmacie. En face du lycée, il y a une pharmacie. Et c'est la route qui, pas tout droit, qui va vers la préfecture, mais la route qui rentre vers dans un campement. Là-bas, il y a le truc. Voilà, c'est là-bas le campement. Tu diras un bonjour de la part du prophète. Greatly. Le prophète viendra un jour pour saluer. Will come just one day to greet him. Il n'a qu'à changer de position. So that he can change the position. There is no excuse. Petite fille t'a fait un témoignage. Elle dit, j'ai laissé plaisir sur lui, il va comprendre. Là, il va penser beaucoup à moi. But then he will think about me. Et après, comment s'est passé quand elle est venue ici? And now,
Quand vous cherchez Dieu, vous pouvez jouer ça. Amen. Amen. Elle est venue ici. When she came here, she was afraid. Quand on venait ici, je lui ai pas dit. Je dis qu'on repartait à Abidjan pour sa délivrance parce que bon, tout le monde la fuyait. Tous les parents la fuyaient sauf moi. Donc mon petit frère était là, il travaillait même plus sur le bateau, il était soucieux. Donc j'ai dit, ok, je vais prendre l'initiative, puisque moi aussi, il y avait 3 jours sans dormir à cause de le stress que le vieux me faisait, tout ça. Donc, il a voulu qu'on passe chez un mystique. Il dit, non, cherche un mystique. Mais il n'est pas église. He doesn't trust. Il va à l'église de manière occasionnelle. Qui est le bailli là? Bon, pas même lui, il ne va pas à l'église. Il dit que les hommes de Dieu sont des menteurs. Que lui, il ne peut pas bâtir. C'est bailli qui est bon. Bailli qui est la meilleure prière. Donc, c'est comme ça. Mon petit frère m'a parlé. Il a vu des informations sur YouTube, sur Facebook. Il dit, il y a un prophète qui délivre les sorciers. Facebook. Il dit, mais est-ce que c'est pas si la Bible délivre les sorciers? Il dit, oui. Avec les vidéos que j'ai vues. Il dit, ok. Au début, je voulais l'emmener dans mon église, mais là-bas encore, notre dirigeante, elle a eu affaire avec les sorciers. Elle a fait des palabres avec son mari et elle est partie sur Abidjan. Donc, cette affaire de sorcellerie, j'ai dit, bon, c'est comme ça, allons voir le prophète, comme tu as dit. Je vais prendre l'initiative, je vais accompagner la petite. C'est comme ça qu'on est venu. Au début, la petite fille avait peur de dire la vérité parce qu'elle se disait que, bon, qu'est-ce qui prouve qu'on va la délivrer? Est-ce que sa vie n'est pas en danger? Et lui a dit, non, faut dire la vérité. J'ai vu les témoignages. Donc, faut dire la vérité. C'est comme ça qu'elle a parlé. Puis, pour elle, pour sa délivrance. Je vais bénir le nom du Seigneur pour cela. Depuis quand tu es venu ici, qu'est-ce qui s'est passé? What happened when you came here? Quand je suis venu, when I came, plus tard, car je le vois que je suis venu, j'ai vu ta photo, j'ai vu le prophète Joël Trasso qui se mettait sur YouTube, donc il y avait peur. Il y avait peur, ça m'a dit, on dit, en tant que cas, c'est ça, il dit, si tu ne dis pas la vérité, le pasteur qui est là-bas, il tue les sorciers. C'est ça, mon cœur a commencé à battre, mon corps a commencé à battre. C'est ça, quand il est venu là, quand il est. Il dit, comme il tue la sorcière là, ça il a fait quoi à mon tonton? Il a menti à mon tonton. Là, il a menti à mon tonton, là il va croire qu'il a dit la vérité. Il dit, Yasmin, si tu ne dis pas la vérité là, si tu ne dis pas la vérité, tu vas mourir. Est-ce que tu as voulu essayer? Quoi? Comme tu as essayé, tu viens à t'occuper. Lui, comme il était fort, il dit qu'il est fort. Tu as essayé, c'est quand tu es venu ici là, tu as essayé. Il n'a pas essayé. Pourquoi? Il n'a pas essayé parce que. Quand je l'ai essayé là, il a ressenti le feu. Qui essaie, il y a le feu. Il dit, tu sais faire quelque chose ici. Il y a un derrière vous. Je comprends ça. Le préfet qui a essayé, ça a marché. Témoignage orteil. Ici, il y a le feu partout. That's here, fire, everywhere. Donc, je voudrais remercier Papa Philippe parce qu'il m'a délivré. Que Dieu lui donne la grâce, que Dieu lui donne le miracle, que Dieu lui donne la grâce. Son grand-père,
qui se porte elle est venue depuis le village. Son maman ne voulait pas la remettre. À l'école ? Elle ne voulait pas. Sa maman ne voulait pas nous la remettre. Non, c'est pas là. Donc, quand. Pas vu te reconnu. On l'a reconnu puisque c'était une relation entre élèves. Wow, okay. Voilà. Donc, la petite, quand elle est enceinte, elle est partie au village et s'est dansée l'atelier de l'enfant à ses parents. Okay. Et elle a laissé les parents pour revenir maintenant en ville pour reprendre les études. Okay. Et c'est comme ça, la petite est restée là-bas. Elle a grandi là-bas et tout ça. Elle est restée. Et c'est qu'on a bataillé pour la reprendre. Parce que sa maman ne voulait plus la reprendre. Elle dit que, bon, comme son papa n'a pas accepté de vivre avec elle, elle n'a pas marié, donc elle ne peut pas donner la fille. Le seul moyen pour qu'elle redonne la fille, il faut que mon petit frère la marie. Voilà. Donc c'est comme ça, on a bataillé, on a négocié. Finalement, elle a cédé, on a créé la petite fille à 9 ans. Et c'est à 9 ans qu'on l'a mis à l'école. C'était un nom, on l'a encadré. À 9 ans, on a commencé à faire le CP. Nous, on l'a encadré aujourd'hui. Tu dis que les autres sont en 5e, toi, t'as maintenant 11 ans, c'est ça? Toi, t'es en CD. Mais c'est pas la faute de. Mais là, quelle est la position de sa maman? Sa maman, bon. Mon papa, sa maman, elle-même, elle cherche même plus à la fin parce qu'elle sait que sa fille est sorcière. Ah, donc, elle refuse catégoriquement. Ta maman, tu ne te vois plus? Oui, papa, elle refuse même de venir ici. Mon tonton dit qu'elle va venir rester avec moi. Elle refuse de venir. C'est dans le campement là qu'elle fréquente. Elle a ton grand-père, non? Non, non, elle est partie en vacances. Lui, il a demandé, il dit, bon, venez, envoyez-la moi, je vais la gérer. Il a dit, envoyez-la moi, je sais comment gérer les soucis. Envoyez-la moi. C'est comme ça, on a emmené au campement. Sinon, elle a Abidjan. Ah, il a Abidjan. Elle a bien fréquenté Abidjan. C'est où? Passeigneur, Yopougon. C'est lui qu'elle fréquente. Oui. Elle fréquente, elle est chez qui là-bas? C'est son grand-père, c'est le petit frère de mon père. On va l'aider, mais comme déjà elle a une scolarité, elle est quelque part, il ne faut pas la dépousseler. Si elle ne fréquentait pas, nous on allait apporter un soutien. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on cherche les gens pour les prendre en charge, mais c'est, on sent quand j'ai un besoin, il faut le faire. L'enfant, tout à l'heure, il avait un besoin. Le père se retrouve en prison, la grand-mère, elle n'avait même pas l'argent pour venir ici. Il a fallu l'aider, donc j'ai vu que l'enfant était en danger. C'est vrai qu'il a fini d'être délivré, c'est pour cela qu'elle est venue ici, mais et après la délivrance, l'enfant, il fait quoi? Et sa vie, qu'est-ce qu'il devient demain? Il faut le protéger. L'enfant a besoin d'une attention et de la protection. Il faut le protéger. Sauf là que, du coup, j'ai dit, avec l'ONG que j'ai, par la grâce de Dieu, il faut protéger l'enfant. Donc, j'ai pris seulement l'engagement de maintenir l'enfant ici pour le protéger. Parce que par moment, nous, les Africains, nous avons un problème. Nous ne pensons pas à l'avenir de l'enfant. Voilà, dans nos programmes de vie, l'enfant vient au second plan. Oh, l'enfant, c'est l'héritier, l'enfant, c'est celui qui devient demain, qui sera là demain. Il faut le protéger, il faut prendre soin de lui, il faut s'investir. C'est ce qu'on sait qu'on récolte. On en parlera dans le bureau. Voilà. Je ne peux pas prendre des engagements, mais on va en parler. Mais mon souhait, c'est le suivi de la fille. La fille. Elle part, gloire à Dieu, elle a été délivrée. Mais ce qu'elle devient demain, ça nous préoccupe. Je pense que ça sera pour nous une occasion de suivre ça et puis voir ce qu'elle deviendra demain. Merci. Moi, je suis à Abidjan, Abidjan est divisé. Donc, ça sera très facile pour moi de venir ici, de parler, de voir un peu les conditions dans lesquelles elle vit, que Dieu pour les aider. J'ai compris beaucoup de choses. Tout nous voulons voir une Afrique demain puissante. On commence à préparer la relève. Les plus grands amis sont les enfants. The best friends are the kids. Vous voyez qu'on a parlé sans problème. Les enfants sont sincères. Quand vous rentrez dans une copie, les enfants vous fuient. Venez chez le prophète avant de vous délivrer. Et les tontons, les enfants fuient. Tu es possédé. Il faut venir chez le prophète. Il va te délivrer. Les enfants sont cessés en amitié. Quand vous aimez, vous aimez. Quand vous n'êtes pas, ils sont cessés. Mais en même temps, l'enfant, vous voyez là, c'est celui qui sera demain l'institutrice.
And there's our ministers, teachers, doctors. Mais tomorrow, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils deviennent quelqu'un de même? Il faut s'investir. Those kind of people. Il faut jamais négliger l'enfant. We never need to neglect. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc, gloire à Dieu, qu'elle soit délivrée. Glory to the Lord. Ça va? If she's delivered. Je vais délivrer, gloire à Dieu. Je vais causer avec ton tonton et puis, on verra ce qu'on pourra faire. So that we can see what we're going to do. Te suis. Father, you. Voilà. Heureusement que tu n'es pas dehors, tu fréquentes. L'enfant va fréquenter, va aller à l'école. Amen. Voilà, mettons nos enfants à l'école, j'encourage. Voilà, allez-y, amenez les enfants pour aller à l'école pour qu'ils puissent venir quelqu'un de là. So that we can become. C'est un témoignage. May a peace tomorrow. Vous venez d'où? Alléluia. Je viens d'Abidjan. From Abidjan. Depuis le 29. Nous sommes présentement trois ici. The 29th. C'est Dieu qui a permis que nous venions ici. God permit so that we can be here. Cette fille que voici, elle se nomme Naomi, moi née grâce Naomi. This girl is grâce Naomi. Et nous sommes là présentement trois, y compris elle, nous sommes quatre. Donc nous sommes là pour représenter les parents. Here to present our parents. Cette petite fille. Depuis sa naissance, little girl, since she was born, peu avant sa naissance du moins, elle avait été initiée, selon elle, par sa grand-mère. According to her, her grandmother. Et ses parents and her parents sont passés partout, presque partout avec elle. Went everywhere. Et quand elle revient, and when she came back, elle fait savoir à ses parents que elle a été délivrée. Elle a été délivrée, elle a fait savoir qu'elle était délivrée. Et quand elle est venue, when she came, pour une première fois, for the first time, elle dit que chaque fois à la maison, quand elle est venue, any time that she came quand home, elle était venue, elle emboute la maison. She raised to be with donc, the house. À tout moment qu'elle est venue, nous on s'est fâchés. She on a fait des histoires. To be with the house. Nous sommes par la grâce, nous sommes à l'école. Et we les gens ne mangent pas. C'est quoi qui a la base des choses? Et une première fois, and just one time, tu dois éternuer. Elle est venue ici, elle est venue ici avec son papa biologique. She came here with her biological father. Et nous étions à Abidjan, nous sommes trois. And we were in Abidjan. Moi et un autre qui est en forme là, Yves, qui est un petit short blanc. Il est quelque part là. He's somewhere there. Et nous ont fait croire que, nous ont dit que. They told us that. Ils ont fait sa délivrance. They made her deliverance. Moi, revenant de ma fille balade, je suis venu, on m'a dit, les rappels qu'elle a fait ici. They told me the confession she did here. Et elle a dit qu'elle a été délivrée. She said that she has been delivered. Elle a dit des choses sur nous. She said things about us. Vraiment, on a vu que tout c'était trop. Donc, we said that enough was enough. Notre papa, chez qui nous sommes à Abidjan, my father is oui, c'était allez-y à Divo. Puisque vous avez décidé dans cette vie, venez pour que vous résolviez cela ensemble. Et together so that we can find a solution. Quand nous sommes venus, and when we came, nous n'étions pas vraiment sûrs de sa délivrance. We were not sure enough of our deliverance. Vraiment, on ne croyait pas à la délivrance de notre soeur. We did not really believe. Il a fallu que nous venions auprès de l'homme, des hommes de Dieu, pour leur. We came to meet the pastors. Pour leur demander si elle avait été réellement délivrée. If she has really been delivered. Et ils nous ont donné l'assurance pour dire que. And they confirmed that. Votre soeur que vous voyez présentement, elle a été délivrée. Your sister has been delivered. Donc, nous lui avons dit que nous sommes venus. Oui. Comment t'appelles? Monique Grasse. Monique Grasse.
peux nous rendre ton témoignage? Can you give us your testimony? Qu'est-ce que tu avais? J'étais sorcière. What did you have? J'étais détruite. I was a witch. Je mange. Détruit, ça veut dire quoi? Yesterday, la reçu des gens, people's je prenais. Comment? J'avais un serpent dans mon ventre. Effectivement, le serpent est là. Tu vois, donc c'est pour ça que je t'entends faire quelque chose. Come! Hey! Lâche-la. Release. Les pasteurs ont une onction, hein. On connaît, ouais. C'est l'expérience qu'ils jouent. They have the experience. C'est les gens que Dieu utilise. God is using them. Ouais, il y a une expérience qu'ils jouent. Quand un doyen est là, il joue le rôle de doyen. Yes, the deacon has played his role. Je le respecte. I do respect them. C'est pour ça que je leur confie la mission de gérer les choses. Voilà, donc il y a des choses que moi-même je peux gérer, que je fais. There are some things that I can do myself. Sinon, ils ont l'onction. They have the anointing. Voilà, ils ont l'onction sur. Quitte son ventre. Leave your stomach. Lâche-la. Release it. Lâche-la. Release it. Effectivement, elle est beaucoup rusée. Le serpent en question, c'est un dragon. Clever. Voilà, qui vit en elle. Et l'esprit du dragon, il est difficile. C'est quelque chose qui peut partir. Pendant que tu penses que la personne est délivrée, l'esprit peut la tirer. Pendant qu'elle va éliminer, l'esprit peut revenir. Parce qu'elle-même aime ça. Elle aime bien la sorcellerie. Elle se plaît bien parce que c'est un pouvoir qu'elle a. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la. Elle a mangé. She ate too much. Amen. Le pasteur, il a fait confiance à son onction, le pasteur Philippe, tout le monde. Mais j'ai un peu une petite expérience, tu joues un peu. Voilà. Ce n'est pas parce que je l'avais prise. C'est parce qu'il a fait confiance qu'il parle à vous. Voilà, puis j'arrive à délivrer les gens. Mais il y a un. Il faut avoir un petit quelque chose qui va nous différencier un peu. Voilà. La petite chose là, c'est ce que je suis en train de faire. Sinon, vous avez vu la fille, elle était délivrée, elle a dit merci au pasteur. C'est Dieu qui nous utilise ici. Que ce soit le prophète Crasso, que ce soit le pasteur. Lâche-la. Release him. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Pas! Quitte son ventre. Assez de manger dans son ventre. Quitte son ventre. Leave her stomach. Lâche-la. Release it. Le feu sur toi. Fire on you. Le feu. Le feu! Fire. Comment? Le feu. Consume. His thoughts. Tes œuvres. Your actions. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Le feu. Fire. Consume tes œuvres. His thoughts. Your actions. Aïe! Come out. Le feu dans ce ventre. Fire in that stomach. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Lâche-la. Release him. Tu vas la libérer. You release her. Tu vas la libérer. You release her. Tu vas. You release. Tu pars maintenant même. You go right now. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Le feu sur toi. Fire on you. 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 Le feu du Saint-Esprit.
fire of the Holy Spirit on your actions. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. 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 Libère son ventre. Release a stomach. Tu vas partir. You go. Au nom de Jésus. In Jesus' name. C'est un ordre. It's an order. Pas. It came out. Pas. Out. Pas. Out. Pas. Out. Tu pars. You leave. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Couche-toi sur ton dos. Lie on the back. Couche-toi sur ton dos. Lie on the back. Couche-toi lie sur on your back. Ton dos. Lie on your back. Couche-toi sur ton dos. Lie on your back. C'est un ordre. It's an order. Tu l'exécutes maintenant. You do it right now. Voilà. Couche-toi sur ton dos. Lie on the back. Parce que tu vas partir. Because you're going to leave. Et couche-toi sur ton dos. But before that, lie on your back. Dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Nazareth. Couche-toi sur ton dos. Lie on your back. Vas-y. Tu le fais maintenant. You do it right now. Tu le fais maintenant. You do it right now. Maintenant. 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 Right now. Couche-toi sur ton dos. On you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Come! Fire! Fire! Je suis libéré. Je suis libéré. Thank you, Lord. Lâche-la. Release him. Lâche-la. Release him. Lâche-la. Release him. Tu es là. Are you here? Tu pars. You leave. Maintenant. Right now. Tu pars maintenant. You leave right now. Tu pars maintenant. You leave right now. You leave right now. Tu pars maintenant. You leave right now. Tu pars maintenant. You leave right now. Tu pars maintenant. You leave right now. Libère. Release him. Release her. Libère. 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 Release her. Libère. Tu vas partir. You leave. Tu m'entends? You hear me? Tu vas libérer sa vie. You release her life. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Va-t'en. Va-t'en. You leave. Va-t'en. You leave. Va-t'en. You leave. Lâche-la. Lâche-la. Release her. 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 Lâche-la. Set her free. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Go! Feu! Fire! Consume. Destroy. Your actions. Va-t'en. You go. Va-t'en. You leave. Va-t'en. You leave. Va-t'en. You leave. C'est un ordre. It's an order. C'est un ordre. It's an order. Maintenant même. Right now. Tu l'exécutes. You do it. Quitte son corps. Come out. Quitte son corps. Leave her. But le dragon et l'esprit est difficile à chasser. The dragon is very difficult to chase. Mais pas impossible. But not impossible. Le problème c'est qu'elle a plus goût à la sorcellerie. Elle aime tellement la chose. The fact that she loves. She likes too much. Practice too much. Quand tu aimes chose, c'est ça difficile. Que le... So it could be difficult for her. Consultez-vous. Why you consult your actions? Consultez-vous. Why you destroy your actions? On va la mettre jeune à partir de demain, lundi, mardi et mercredi. She'll fast. Tomorrow the day after. Le coup de délivrance, aidez-la. Amène-la à la délivrance. On va l'aider pendant 3 jours. On va revenir dans mon bureau. She'll come back in my office. And then we allez la faire la délivrance.